pas à mon âme. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour. Seigneur tout-puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, Saint-Esprit, nous te louons. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu. Soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Psaume 118, strophe 11, page 210. Le ciel et la terre passeront, tes paroles, Seigneur, ne passeront. Le ciel et la terre passeront, tes paroles, Seigneur, ne passeront pas. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut, j'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux pour ta promesse, quand m'auras-tu consolé? Je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes persécuteurs? Des superbes me creusent des fosses à l'encontre de
mensonge me persécute. On viendrait à bout de bras sur terre, sans que je laisse tes préceptes. Selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, amen. Le ciel et la terre passeront, tes paroles, Seigneur, ne passeront pas. Psaume 128, page 223. Psaume 129, page 224. De profondeur, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur. Auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Cherchez le Seigneur,
Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et Très-Haut, je demeure, tout en étant avec l'homme humble et contrit. Pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à mériter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et me détournant, je l'ai frappé. Rebelle, il suivait les chemins de son cœur, mais ses chemins, je les ai vus. Cependant, je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés, leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Du Père Jean-Pierre Torel, dominicain, notre bienheureuse espérance. Jean-Baptiste occupe une place considérable dans la lecture de l'Avent, mais souvent en relation avec quelqu'un d'autre, avec Jésus d'abord, qu'il prépare et annonce, mais aussi quand c'est Jésus lui-même qui en parle avec le prophète Élie. Nous pouvons contempler en eux la réalisation idéale du messager de la parole de Dieu. Il est frappant de voir que l'Écriture utilisent à leur propos la même image de la lumière et du feu. La parole d'Élie brûlait comme une torche. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Dans les deux cas, leur lumière montre quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Jean n'était pas la lumière, mais le témoin de la lumière. Comment résumer en moins de mots le rôle de l'apôtre? Ne pas arrêter à lui le regard, mais le diriger vers celui qui l'annonce. Nécessaire transparence du messager. En parlant de Jean, Jésus ajoute un mot qui donne à réfléchir. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez joui un instant de sa lumière. Un instant. En plus de la transparence, c'est un des autres traits distinctifs de celui qui annonce la parole. Il ne revient pas à l'ami de l'époux de retenir à lui les amis de l'époux. Il les conduit à lui, mais il doit savoir s'effacer. Il met sa joie dans celle de l'époux. Détachement du serviteur inutile, il n'a fait que son devoir. Il y avait chez les Baptistes un amour ardent et fervent, et c'est pourquoi le texte parle d'une lampe qui brûle. Il arrive en effet que certains soient des lampes seulement quant à leur fonction, mais quant à leur amour, ces lampes sont éteintes. Ainsi de même qu'une lampe ne peut éclairer si elle est allumée,
De même, une lampe spirituelle ne peut illuminer si elle ne brûle d'abord et si elle n'est enflammée du feu de l'amour. Aussi, l'ardeur est mise ici avant l'illumination, car la connaissance de la vérité est donnée par l'ardeur de l'amour. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Seigneur ton Dieu, je te donne un enseignement utile, je te guide sur le chemin où tu marches. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable, ta descendance. Son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Si tu avais été attentif à mes commandements,
quelle sera l'excuse de notre refus si nous ne nous décidions pas à entrer dans l'Avent et à vivre Noël? Le portrait de beaucoup de chrétiens qui ne prennent pas au sérieux le Christ dans leur vie, et même, pourrions-nous le dire, l'indifférence, le manque d'écoute, l'inobservance des commandements de Dieu, dont malheureusement, nous, les consacrés, faisons preuve parfois dans nos vies, peut être en partie le même que celui des classes dirigeantes d'Israël qui n'ont pas accepté les envoyés de Dieu et n'ont pas été attentifs à ses commandements. Frères et sœurs, l'écoute de la parole de Dieu, la mise en pratique de ses commandements sont encore valables pour nous aujourd'hui, pour notre bien personnel et pour la bénédiction de nos familles, de nos communautés. La parole de Dieu est une lampe pour nos pas, une lumière pour notre route, dit le psalmiste. Celui qui se laisse guider par Dieu, celui qui écoute et met en pratique son enseignement, celui qui est attentif à aimer, celui-là est rempli de paix. Frères et sœurs, Dieu nous aime passionnément et s'est engagé pour nous sauver. Mais il ne nous sauvera pas sans nous. Oui, il vient nous sauver et il est proche. Mais pour nous, le temps est bref. Convertissons-nous. Revenons à lui de tout notre cœur. Malgré nos refus, nos indifférences, nos manques d'amour, Dieu veut notre bonheur. Il veut la fécondité de nos vies. Il veut que nos talents rapportent au centuple comme les grains de sable, mais à une seule condition, être attentif à ses commandements. Qu'il en soit ainsi pour nous tous. Thank you.
Viens, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur, pour tous les chrétiens engagés en politique, que ton esprit leur donne la force d'être des témoins clairs et convaincus de ton évangile dans les fonctions qu'ils exercent. Viens, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur, pour tous les pays en guerre de par le monde, et te confions particulièrement les personnes qui, en ces pays, ont le pouvoir d'agir en faveur de la paix. Bien, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui souffrent de solitude et à qui les fêtes qui s'annoncent sont cause plus de douleur que de joie. Viens particulièrement les visiter. Viens, Seigneur Jésus. Notre Seigneur, saint, fort, Dieu saint, immortel, aie pitié de nous. Dieu. Tu veux que ta paix coule en nous comme un fleuve, en gardant ta parole chaque jour, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Tiens ton peuple éveillé, Seigneur, pour la venue de ton Fils. Puissions-nous, fidèles à son avertissement, garder au cœur toute lumière de foi et d'amour pour nous porter à sa rencontre. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous Sauveur. Et conçu de l'Esprit.
ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, et le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein. Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons